Ils sont arrivés, les deux mastodontes de 50 tonnes, qui, tels des poils géants, constituent le cœur de la nouvelle chaufferie d'Alès, actuellement en construction à Tamaris. Ces chaudières bois d'une puissance de 7 MW assureront le chauffage de quelques 3000 logements alésiens. Un réseau va alimenter en eau chaude depuis Tamaris, va être raccordé jusqu'à la chaufferie existante de la rue Jean-Moulin. Sur le passage des 2,5 km de réseau actuellement déployé, l'eau chaude montera directement au radiateur des logements des quartiers des Cévennes et Rénovation, des collèges Jean-Moulin et Diderot et du lycée Jean-Baptiste Dumas. Actuellement, en ville, vous avez pu voir qu'il y avait des tranchées importantes en largeur et en profondeur, puisque c'est pour amener l'eau chaude de Tamaris vers le centre-ville. Une opération qui a commencé rue de la Judie, Grand Rue Jean-Moulin et quai du 8 mai 1945. Les travaux se poursuivent actuellement vers le quai Boissier de Sauvage. Le but, c'est de consommer prioritairement du bois. La chaufferie bois viendra en appoint du centre-ville et en secours en cas de panne. Le nouveau réseau chaleur de la ville fonctionnera à 62% grâce aux deux chaudières bois. La chaufferie du centre-ville, qui sera rénovée, continuera de proposer une production de chaleur via le gaz et le fioul pour assurer les meilleurs coûts énergétiques. Les essais démarreront octobre-novembre, mais la montée en puissance se fera progressivement et elle sera disponible pleinement à fin d'année.